Donc je vous accueille tous bien volontiers pour ce Shabbat. J'ai posté deux vidéos importantes, l'une sur l'enlèvement. En quelques mots, arrêtons de discuter de l'enlèvement qui se fera avant la tribulation, au milieu de la tribulation et après la tribulation. J'ai mis volontairement le point de vue de Alan Rich, qui est un serviteur de Dieu. Alors, je ne recommande pas nécessairement par ailleurs tout Alan Rich, donc comme je ne demande à personne de me recommander moi, mais quand un message est bon, il est bon, alors je le recommande. Voilà, c'est toute la différence qu'il faut faire entre recommander un homme ou recommander un message d'un homme. Voilà, si le message est bon, on recommande. Voilà, donc quand vous aurez écouté ce message que j'ai mis sur le site, que j'ai envoyé en lettre de nouvelles, vous comprendrez que l'important n'est pas de savoir quand aura lieu l'enlèvement, mais est-ce que je suis prêt pour être enlevé? À quoi me sert de discuter à longueur de semaines, d'années, de mois et certains de décennies pour dire non, l'enlèvement aura lieu là plutôt que là, alors que Jésus lui-même dit personne ne connaît le jour ni l'heure si ce n'est mon Père, même Jésus ne savait pas qu'aurait lieu cet événement. Mais il y a des uluberlus qui prétendent, malgré ce que Jésus a dit, vous trouvez, et alors on discute. Mais je vous pose une question, à quoi vous sert d'essayer de savoir quand aura l'enlèvement, puisque vous ne vous préoccupez même pas de savoir, de l'essentiel, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour être enlevé? C'est ça qui doit être notre préoccupation. Première vidéo que j'ai mise, je vous recommande de lire en complément du message que je vais donner aujourd'hui. Deuxième vidéo, elle est importante, comment gérer les personnes toxiques. Les personnes toxiques sont les personnes qui font du mal, qui font mal, et qui amènent du trouble dans nos vies. J'ai mis la vidéo du frère Rich là-dessus parce qu'elle reflète complètement et mon point de vue et elle recoupe complètement ce que Dieu, la manière dont Dieu m'a demandé de gérer les personnes difficiles, toxiques, qui amènent du trouble, qui amènent du mal. Et il en existe. Alors Dieu est d'une infinie patience, mais selon mon expérience, il y a un moment où Dieu peut demander que l'on coupe même avec une personne toxique. Et je pense que c'est juste. Vous allez me dire, oui, mais Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu ne veut pas lutter éternellement contre ce que tu veux, toi. Et si tu veux être méchant, mauvais, et que tu as été prévenu 100 fois peut-être, à un moment donné, Dieu dira, ok, puisque tu aimes ça, je demande à ceux que tu fais souffrir et qui ont longtemps patienté avec toi, de dire stop. Alors, ça ne veut pas dire comme ça qu'il faut aller trouver les personnes toxiques, dire voilà, je romps avec... Non. Il faut entendre la voix de Dieu. Et Rich dit très bien, je suis d'accord avec lui, je fais la même chose. Il faut attendre que Dieu nous parle. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu nous dise, avec telle personne, il faut se détacher d'elle. Il faut se détacher. Peut-être même la prévenir, mais en tout cas, à un moment donné, il faut, voilà, laisser aller. Ou il faut... Il y a des gens pour qui Dieu m'a dit, tu ne peux plus la fréquenter. Tu ne peux plus fréquenter cette personne. Tu ne peux plus. Pas possible. Ça va trop loin. Ok, je m'arrête. J'aimerais que vous écoutiez ces deux messages qui sont du frère Rich, mais avec lesquels je suis complètement en accord. C'est pour ça que je les ai mis. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit tout ce qu'il dit là, à ma façon, depuis des années. Et donc, de l'entendre de quelqu'un d'autre est fatalement une bonne chose. Voilà, c'était l'introduction du message. Aujourd'hui, j'ai un titre un peu spécial que je ne vais pas mettre en titre sous les vidéos, mais que je ne peux pas résister à la bonne tentation de vous le dire. Il n'y a pas loin du tout, du Capitole à la roche Tarpéenne. C'est une sentence romaine, et je vais en parler un petit peu en débutant le message. Attention, ça nous rappelle quelqu'un. J'ai essayé de sonder un peu dans l'œuvre avant de commencer le message,
Et ça a été dur pour que l'on me nomme la personne la plus concernée dans toute l'histoire spirituelle de l'humanité et du ciel même. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui vivait son Capitole, c'est-à-dire sa réussite la plus totale dans le monde spirituel, et puis qui, du jour au lendemain, parce qu'il s'est enorgueilli, s'est pris au sérieux. Je suis quelqu'un. Waouh! Paf! Roche tarpée. J'y viendrai tantôt. C'est intéressant, mais ça doit nous amener à réfléchir. Alors là, vous voyez, c'est étrange, parce que on a fait tant de discussions sur est-ce qu'on peut perdre son salut. En principe, non. Mais on peut tomber dans une fosse et ne plus en sortir. Maintenant, est-ce que ça veut dire la perte du salut ou pas? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais lorsque Jésus dit à certains qui sont pris un peu trop au sérieux et qui disent « Nous avons chassé des démons, on fait ça, t'as vu, hein, on n'est pas n'importe quoi » et que Yeshua leur répondra « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Ça veut dire quoi? Qu'ils sont perdus, je ne sais pas. Mais en tout cas, tenez-vous à distance, les gars. Alors, est-ce qu'on peut vivre dans l'éternité avec Jésus en étant quelqu'un de marqué par le sceau tenu à distance? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais ça ne doit pas être fameux comme situation, si jamais on peut être sauvé et on arrive là. Donc, il y a aussi le risque que on va louer le Seigneur, parce que lui, il mérite d'être exalté et loué, et au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, je loue son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté à jamais et je loue le Saint, son Saint-Nom. Pardonnez-moi. Il est Seigneur, oh oui, sa vérité règnera. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son Saint-Nom. Se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, les cœurs libres, louez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Ouvrez vos micros et louez-le. Amen. Si vous avez des cœurs libres, libres de toute chose qui trouble votre âme, et vous le savez, si votre âme est troublée, alors louez Dieu. Et puis même vous, dont l'âme est troublée, louez Dieu, peut-être va vous faire la grâce, vous amener des larmes de repentance réelles. Amen. In Eloyanum velo ishan. In Eloyanum velo ishan. Velo ishan shomer Israel. In Eloyanum velo ishan velo ishan. Shomer, shomer, Israël. In Eloyanum, velo ishan. Velo ishan, shomer, Israël. In Eloyanum, velo ishan, velo ishan. Shomer, shomer, Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais,
Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille point, ne dort jamais, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Oui, tu es celui qui n'est jamais en sommeil, parce que tu veilles sur Israël, mais tu veilles aussi sur l'Église. Tu veilles qu'il soit constitué de juifs, qu'il soit constitué de non-juifs, qu'il soit constitué aussi, Seigneur, alléluia, j'ose le dire, de tous ceux qui ont connu qui était Jésus par la parousie, par la foi, depuis après Adam jusqu'à aujourd'hui, Adam peut-être lui-même. Seigneur, merci, merci parce que tu veilles sur nous. Et par ton esprit, ton roi Kodesh, tu nous parles. Tu nous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'en parle, comme ce frère qui m'a demandé un entretien. Il a eu raison, il a dit, il y a quelque chose qui me trouble. Il faut que j'en parle à un ancien, il faut que j'en parle à un frère. Et il a été sage, il a été intelligent. Et il avait raison de parler, parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, faisait dans son cœur, mettait un malaise par rapport à quelque chose. Alors il a été sensible à l'Esprit, et il a cherché, il a questionné, il a demandé l'aide, même l'aide et le conseil. Seigneur, merci pour l'Esprit Saint qui met le trouble parfois dans nos cœurs. Seigneur, maintenant, tu attends de voir ce que nous allons faire de ce trouble. Ou si nous contentons d'avoir ce trouble et puis de passer à autre chose. Merci Seigneur, parce que tu veilles et nous ne pouvons jamais passer à autre chose quand ton esprit touche quelque chose dans notre cœur. Nous devons aller à fond jusqu'à ce que nous sachions ce qui nous trouble et nous n'hésitons pas à demander conseil, avis à des gens plus mûrs que nous. Il en existe, au nom de Yeshua. Seul l'orgueil nous empêche de faire cela. Amen, Seigneur. Amen. À l'agneau de Dieu, élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes. Je vous rappelle que nous sommes tous libres pour louer le Seigneur, Amen. Apporter une parole de connaissance, apporter une prophétie, apporter une exhortation, apporter quelque chose, peut-être déjà une repentance, je ne sais pas. En tout cas, Seigneur, une parole vraie, oui, Seigneur, peut-être que j'ai besoin d'entendre le malaise qui est dans mon cœur, essayer de savoir pourquoi j'ai ce malaise en ce moment-là. Alors oui, je te le dis, Seigneur, je veux savoir. Amen, on peut aussi rester en silence, bien sûr. Nous laissons la place, si quelqu'un veut prier maintenant. Alléluia, alléluia. Seigneur, mon Dieu, merci, Père, merci, mon Dieu. Merci parce que tu nous prépares, Père, et tu nous mets, merci pour ce qu'a dit Raïm, Seigneur, nous voulons prendre au sérieux de nous préparer pour l'enlèvement qui vient. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur, tu es l'agneau immolé, mais Seigneur, tu nous dis, préparez-vous, et nous prenons cet avertissement, je le prends au sérieux, Père éternel, car nous ne voulons pas rester là, Seigneur, et nous voulons vraiment être avec toi. Seigneur, je te remercie pour le travail que tu fais dans les cœurs, pour les malaises que tu mets, mais je ne veux surtout pas être... pour moi le premier déjà, inattentif à ces choses, et que j'aille à fond, qu'on aille tous à fond, Seigneur, pour être prêt, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, mais tu es un Dieu juste, et qui tu ne fermes pas les yeux sur le péché. Alors nous te bénissons pour ce que tu fais, mais nous voulons aller à fond dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, je te bénis et je te loue, mon Dieu, mon Père, merci. Merci pour cet amour encore aujourd'hui. Merci pour tes avertissements. Seigneur, je suis concernée par l'orgueil. Je suis concernée, Seigneur, j'ai fait des compromis et j'ai de l'orgueil toujours dans le cœur, Seigneur. Ô Père, merci me le montrer encore aujourd'hui. Je ne veux plus de ça, tu es mon Dieu. Je ne veux que toi dans mon cœur. Je veux un cœur d'enfant et je te remercie, Seigneur. Merci pour ces avertissements, pour ces messages que tu donnes à ton serviteur. Merci pour ce qu'il fait. Merci pour ce que tu agis dans nos cœurs. Je te bénis, je te loue, Seigneur, je n'en veux plus de ça. Je me remets entre tes mains, Seigneur, et je veux prendre ça très au sérieux, Père éternel. Amen. Les mains tiennent l'eau 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 Ayetzech hanogatika, lo, lo,
ארשה וירוש ותק לבידיבה לא לא ארשה לא לא ארשה. Je vais lire la traduction. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne me tairai point, je ne me tairai point. Quand Dieu sonde mon âme, je réagirai, je ne me tairai point. Mes amis, ceux qui se taisent, même quand Dieu leur parle, sont des monstres d'orgueil. Et rien d'autre que des monstres d'orgueil qui s'ignorent, tout simplement. Pour l'amour de Yerushalayim, je n'aurai point. Alors ils vont pleurnicher après sur leur propre sort, mais c'est... Ils sont passés à côté de l'essentiel depuis trop longtemps. Alors les cœurs qui sont durcis, c'est comme le cœur de Pharaon. À un moment donné, on ne peut plus revenir. Je n'aurai point de repos, je n'aurai point de repos pour l'amour de Yerushalayim, mais pas seulement la Jérusalem terrestre, mais celle où Yeshua va revenir pour régner. Par amour pour lui, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos que je ne sois nettoyé de tout ce qui doit être nettoyé en moi. Je n'aurai point de repos que sa justice paraisse dans ma vie, que sa justice paraisse comme l'aurore. Je ne me tairai point et que sa délivrance s'allume comme un flambeau. Je n'aurai point de repos. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce frère qui a prié une journée entière et qui m'a dit, voilà, j'ai découvert quelque chose que je dois absolument te partager. Et puis, il a eu raison de le faire, et ça a interpellé d'autres personnes qui devaient être interpellées. Et puis, il m'a encore écrit en me disant, j'ai encore un profond malaise avec quelque chose. Il a cherché, et il a eu la réponse à son malaise, et le Seigneur est en train de visiter notre œuvre, et je crois qu'il visite l'Église partout, je l'espère, dans le monde, parce que l'enlèvement de Dieu est peut-être très proche, peut-être imminent, et beaucoup ne sont pas prêts. Point, c'est tout. Alors, prenez comme une manifestation de son amour qu'il essaye encore de nettoyer vos cœurs tant qu'il est temps. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta présence ce matin. Merci. Je te remercie, Père, parce que tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Tu ne changes pas. Tu nous aimes, tu veux nous sauver, mais tu veux aussi que le méchant abandonne la mauvaise voie de ses comportements, de son être intérieur, et qu'il se laisse interpeller par toi. Seigneur, il est dit dans ta parole que tu laisses grandir le grain, le blé avec l'ivraie. Mais je crois qu'au fond, ton cœur est que l'ivraie se transforme en bon grain. Aussi, nous ne voulons pas chasser ce qui est ivraie parmi nous. Dans toute église, il y a de l'ivraie. Dans toute église. Dans le peuple d'Israël, il y a toujours eu du bon grain et de l'ivraie. Et tu dis dans ta parole que j'enverrai les anges à un moment donné pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et je pense que lorsque tu dis avec telle personne, tu mets cette conviction au fond du cœur. C'est que tu sépares l'ivraie du bon grain. Seigneur, nous devons prendre très au sérieux cela. Tu laisses grandir ensemble parce que tu veux que tout soit sauvé. Mais Seigneur, quand l'ivraie veut rester de l'ivraie, elle restera de l'ivraie. Elle ne pourra pas être sauvée. Elle s'est condamnée à être, dit l'Écriture, rassemblée, ramassée et mise dans le feu, brûlée, détruite. Je crois que l'image est claire, tellement claire. Il s'agit de l'enfer, tout simplement, et de rien d'autre. Béni sois-tu, ô Éternel. Merci, Père, pour... Et je crois que je vais... Parce que je crois que certains ont été touchés dans leur cœur, mais le cœur est dur. C'est votre choix. Faites ce que vous voulez. Mais Seigneur, je vais prier. Seigneur, tu m'as montré que j'étais de l'ivraie, tu m'as montré que j'étais toxique. Je ne veux plus être toxique, j'abandonne tout. Tu m'as montré tellement de choses horribles, ma vie depuis le départ, des cœurs, un tissu d'horreur, de domination. J'ai méprisé tout le monde, tout par amour pour moi-même.
J'ai fait tout ce qui était le pire. Et je l'ai fait volontairement. Oh Père, je te demande pardon. Je suis perdue sans toi, complètement perdue. Je suis dans la perdition. Je me suis élevée sans arrêt. Je te demande pardon. Amen, amen, amen. Ok, nous allons aller de l'avant. Elisheva. Le Seigneur m'a donné un verset dans. Parle plus fort, s'il te plaît. Le Seigneur m'a donné un verset dans les dans Ecclésiaste 7:13 qui dit. Ecclésiaste combien? 7:13 qui dit. Chapitre 7, verset 13. Oui. Oui, Ecclésiaste. Veillez sur l'œuvre de Dieu, car qui pourra redresser ce qui est courbé? Veillez sur l'œuvre de Dieu, car qui pourra redresser ce qui est tordu? Ouais, ça veut dire qu'il faut, insister, il faut... Une fois que c'est tordu, il faut vraiment la grâce de Dieu, mais... Il faut la grâce de Dieu pour que ce qui est tordu en nous soit redressé, mais il faut aussi qu'on faut le veuille. Veiller, ouais, il faut veiller sur nous-mêmes. C'est tout. On en revient toujours à la même chose, hein, chercher Dieu et puis... Vous le trouverez. Cherchez Dieu et vous verrez que les choses les plus tordues en vous finiront par être vite redressées. Cherchez pas Dieu, bah, vous resterez tordu. Bien, merci pour cette citation biblique. Bien, il n'y a plus... Je regarde notre internet. Il y a quelqu'un là. Ah, il y a une main là qui se lève. Oui, vas-y. Oui, mais très fort, il faut qu'on t'entende. Tu me troubles en ce moment, Seigneur, et je te remercie pour ça, parce que je veux mettre toute ma vie là devant toi, Seigneur, et surtout cet orgueil qui revient toujours, et donc vraiment je veux me débarrasser, Seigneur, devant toi. Merci pour ce travail que tu fais dans mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment te rencontrer, te connaître, Seigneur. Je veux te suivre, et je te demande pardon pour cet abominable orgueil qui revient sans arrêt, qui me fait faire n'importe quoi, Seigneur, et qui blesse les autres, et qui me rend aussi, c'est vrai, toxique pour tous ceux qui m'entourent. Seigneur, je te cherche, Seigneur, et merci de continuer en moi ce travail, jusqu'à ce que je sois vraiment libre, Seigneur, devant toi, parce que je veux te suivre, Seigneur, je veux t'obéir, Amen. Alors, je me permets toujours, quand c'est nécessaire, de reprendre une prière, arrêter de dire merci, Seigneur, de continuer en moi ton travail. Le Seigneur a accompli tout son travail à la croix il y a 2000 ans. C'est vous qui devez chercher Dieu et pas demander. Vous êtes trop souvent encore, beaucoup de chrétiens, vous êtes dans une situation, au fond, assez lâche. Vous demandez à Dieu de faire ce que vous devez faire. Arrêtez, il ne le fera pas. Il a fait sa part. Amen. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose, mais à haute voix pour qu'on entende bien. Vas-y. J'ai reçu le psaume 37, verset 5. Je vais répéter pour être sûr. Donc tu as reçu le psaume 37, verset 5. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire arrête de mettre ta confiance dans ton 1. Hein. Voilà. Si Satan avait, qui était l'archange le plus extraordinaire de tout le monde angélique, avait mis sa confiance dans l'Éternel, il serait resté toujours à diriger la louange dans le ciel. Hein? Et voilà. Il a mis son confiance en quoi? En lui. Moi. Vous savez, l'autre jour, c'est avant-hier qu'on a eu Shabbat, et je parle avec une enfant, mais c'est normal chez les enfants, enfin normal, c'est le signe. Et je lui ai dit, alors tu sais dessiner ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, ah oui, moi je sais. Vous voyez, c'est tellement marqué dans l'âme humaine. Et la folie dans le cœur de l'enfant, un enfant aussi. Beau soit-il, et ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais ils sont déjà marqués par le sceau de Satan. Oui, de la chute, moi. Moi. Il y a tant de chrétiens qui se battent avec Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que je devrais être comme ça, mais je vais te montrer que je vais y arriver, hein, je vais le faire.
comprendre. Là. Mais où est la défaite? Où est la Satan ne peut pas reconnaître sa défaite. Ou plutôt, au fond, il le sait qu'il a une défaite, mais la différence entre nous et Satan, c'est que nous, on peut reconnaître notre défaite et être sauvé. Lui, il ne peut pas. Pourquoi vous mettez-vous dans le camp de Satan en essayant de bricoler un salut qui n'existe pas? C'est seulement par la grâce de Dieu que je suis sauvé. Donc je suis ultra modeste, calme. Les chrétiens vraiment sauvés ne sont jamais toxiques. Avant, ils étaient toxiques. On en a eu chez nous. Qui maintenant ne sont plus toxiques du tout. Pourquoi? C'est très simple. Ils ont compris qu'ils étaient tordus. Comme le verset qui vient d'être cité. Il dit, bon, ben, je suis vraiment tordu, quoi. Alors, ben, sauve-moi, Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a fait. C'est aussi simple que ça. Mais rien de plus tordu que l'âme humaine qui est, en plus, qui est façonnée par toutes sortes de mensonges sur elle-même. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, aller dans la parole de Dieu. Ou bien il y a quelqu'un qui voulait encore... Oui, alors, s'il vous plaît, soyez bref. Essayez plutôt d'apporter quelque chose de positif, parce que vous vous repentiez, comme vous l'avez déjà fait 100 fois certains, prenez d'abord conscience, vraiment, au lieu de faire des prières religieuses, comme vous l'avez si souvent fait, et... Dieu ne les écoute pas. Dieu n'écoute pas vos prières religieuses. Voilà, il y a encore une personne qui voudrait parler, je la laisse parler. Oui, eh bien, Seigneur, je te demande pardon parce que mon cœur est tordu, il est orgueilleux et dur. Et Seigneur, je ne peux... J'en ai assez, Seigneur, d'avoir voulu contrôler ma vie, diriger les choses, me sauver moi-même. Alors, Seigneur, je regarde à toi simplement, à ce que tu as fait, Seigneur, la croix. Je te demande de me sauver, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est la prière qu'il faut faire du fond de son cœur, en cherchant Dieu, et il finira par intervenir toujours. C'est nous qui mettons un obstacle entre Dieu et nous. C'est jamais lui. C'est jamais Dieu. Ok, nous allons aller dans la parole de Dieu, et donc je n'ai pas pu résister à l'envie. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Peut-être un peu, mais je vais en reparler, de cette, comment dire, cet adage, on peut appeler ça un adage, ou une parole qui sort du monde romain, quand Rome était un empire qui dominait, qui a dominé sur le monde connu de l'époque, donc c'était pas n'importe quoi. Alors il y avait à Rome, nous y sommes allés prier, il y a des années, deux lieux bien connus, le Capitole, hein, c'est presque... Je pensais au Capitole, aux États-Unis, il y a le Capitole. C'est le super endroit de comment je veux dire, de l'autorité, de la et donc là où un président est réputé être un homme d'excellence pour diriger les choses. Et quand ça va pas bien, rappelez-vous l'affaire Nixon, ah, il doit démissionner, ok. Alors à Rome, il y avait aussi un Capitole. C'était le lieu où se discutaient les grandes destinées de l'Empire romain avec des sénateurs et bref. Et puis de temps en temps, lorsque l'un d'entre eux, je pense, j'imagine, je n'ai jamais assisté, je n'ai pas étudié de près le fonctionnement du Capitole, mais c'était une espèce de démocratie à la romaine, n'est-ce pas? Quand l'un d'entre eux faisait vraiment, par orgueil souvent, des choses qui... aller à l'encontre de l'intérêt de l'Empire. Donc, transposons, il y a des chrétiens qui agissent, qui va de telle façon que ça va à l'encontre de l'intérêt de l'Église. Ils deviennent toxiques, ils deviennent dangereux. J'ai mis sur le site, et je vous demande à écouter, un message que je cautionne à 100%. Je cautionne ce message-là, comme je le fais toujours. Je ne cautionne jamais... un homme de Dieu sans connaître tous ses messages, parce que tout homme de Dieu peut se tromper un jour. Donc, mais je cautionne toujours un message. J'ai mis un message sur le site.
Comment gérer les personnes toxiques autour de nous? J'en reviens au capital de Rome. Quand une personne devenait toxique, peut-être par orgueil, peut-être parce qu'elle voulait se détacher de l'ensemble, faire l'intéressante, je ne sais pas, ça dérangeait tout le monde et on pouvait arriver à dire, bon, on va faire un tribunal et puis on te juge, toi, c'est fini, terminé. Et qu'est-ce qu'on faisait? On conduisait la personne à quelques centaines de mètres du Capitole, un rocher qu'on appelait la roche tarpéenne. Et qu'est-ce qu'on faisait? On précipitait dans le vide la personne du haut de la roche tarpéenne et elle allait s'écraser, tuer, bien sûr, tout en bas. Nous sommes allés prier dans cet endroit, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous avons fait il y a plusieurs années, mais il y a dès lors un adage romain qui est très sage, qui est issu de cette situation, et qui dit « il n'y a pas loin », c'est-à-dire que c'est très proche, hein, « du Capitole à la roche tarpéenne ». En d'autres mots, après j'ai posé la question, mais c'est drôle, on dirait qu'il y a une conscience dans toute l'humanité de ce danger de se prendre un peu trop au sérieux, n'est-ce pas? Et j'ai demandé avant le début de la réunion, à qui ça vous fait penser alors? C'est marrant parce que c'est quand même fondamental dans la foi chrétienne de connaître ça, et ça a mis du temps pour venir, mais enfin il y a quand même quelqu'un qui a dit le diable. Je dis oui, Satan. Il était très haut. Et au lieu de se contenter de l'extraordinaire bénédiction qu'il avait, il a voulu monter un peu la pâte avec un peu de levain, n'est-ce pas? Il a voulu devenir un peu plus grand encore que ce qu'il n'était. Donc pourquoi pas prendre la place de Dieu tant qu'on y est? Mais bien sûr. Il a vécu son capital de manière toxique. Crac! Dieu l'a rejeté en bas pour toujours. Il n'y a pas loin du Capitole, le lieu où... Alors je m'adresse ici directement à tout le monde. Hein. Je peux être un chrétien qui rentre vraiment dans les voies du Seigneur, je peux être un prédicateur, un prophète, et puis me prendre un peu trop au sérieux. Alors ça commence comment? Écoutez, je suis en train de me remémorer des comportements que j'ai vus et qui m'ont quelquefois tellement heurté. C'est dans les relations avec autrui que va se révéler cet orgueil. Terrible parfois. J'ai vu des gens qui avaient un appel à servir Dieu mais qui étaient tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ont été précipités du haut de la roche tarpéenne depuis longtemps. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont même pas rendus compte que Dieu les a rejetés. C'est quelque chose qui peut nous guetter tous, moi y compris. C'est pourquoi cet adage romain est plein de sagesse. Il n'y a pas loin du tout de « Waouh, j'ai reçu beaucoup de Dieu ». Et je me souviens une parole du vieux pasteur Evans Pell, quand j'étais jeune chrétien dans cette assemblée en Belgique, qui m'a dit « Attention, textuellement, tu as reçu beaucoup de Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas comment tu vas vivre tout ça, mais c'est comment tu vas finir. » Waouh ! Quand il m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a enfoncé une lance dans le cœur en me disant « Prends très au sérieux ça, parce que tu peux bien commencer et mal finir. » Attention, je ne dis pas que si vous êtes persécuté, mené devant les tribunaux ou accusé de n'importe quoi par n'importe qui, ça finit mal pour vous. C'est peut-être en train de mal finir pour ceux qui vous cherchent des problèmes par méchanceté, par jalousie, par tout ce que vous voulez. Mais il n'y a jamais loin du Capitole à la roche tarpéenne. Et ce cher pasteur a eu une parole magnifique quand il m'a dit « Tu as beaucoup reçu de Dieu, tant mieux pour toi, c'est une grâce de Dieu, tu ne le méritais pas, Dieu a choisi de te donner tout ce qu'il t'a donné, une puissante visitation de l'esprit, une onction et tout ça, voilà, très bien,
Mais attention, comment tu vas t'en servir? Parce que ça peut finir en bas de la roche tarpéenne pour toi. Voilà, donc le ton est donné et nous allons aller ensemble dans Luc 21 et nous allons aborder deux thèmes. Et nous allons aborder un premier thème qui n'est pas en rapport direct avec ce que je viens d'énoncer. Lisons ensemble Luc 21. Yeshua, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ici, ben nous ne sommes pas loin de ce que j'ai introduit comme message, c'est quelque chose qui va avec. Nous avons deux services. Nous avons un service intégral, malgré les apparences toutes pauvres, parce que cette femme donne tout ce qu'elle a. Et c'est trois fois rien, mais c'est tout. Et d'autres donnent beaucoup apparemment, beaucoup plus, mais c'est leur superflu. Leur service n'est pas intégral. Voilà. Il y a ici deux petites pièces qui signifient, qui symbolisent le don de soi total, intégral. Elle a tout donné, les autres, non. Ils donnent du superflu car l'essentiel est ailleurs pour eux. Et ils donnent du superflu pour construire quoi dans le monde spirituel du religieux. Peut-être même que ces riches-là donnaient l'argent pour construire un temple de pierre. Vous me suivez? La veuve, elle a donné quelque chose qui n'a probablement rien fait pour améliorer le temple de pierre, mais elle a construit quelque chose dans les cieux qui vivra éternellement. Voilà. Il y a un rappel que j'aimerais faire, rappelez-vous l'église de Laodicée, c'est la dernière église d'Apocalypse que nous avons étudiée, qui dit « Tu te dis riche, mais tu es nu. Achète de moi de l'or éprouvé. » C'est-à-dire, parce que tu es riche, tu as eu beaucoup d'enseignements, tu as eu tout ce qu'il faut, voilà, tu te crois riche, mais en fait, tu es nu. Parce que ton service n'est pas intégral, ton engagement n'est pas intégral. Tu profites, c'est l'église étant de la fin, tu profites de 2000 ans de toutes sortes de choses que tu étudies, que tu connais, de ceci, cela. Mais Dieu dit, tu es nu. Comme ces juifs qui donnaient de leur superflu, croyant donner beaucoup. Mais en fait, leur cœur était nu. S'il a voulu donner autant que la petite vieille qui donnait ses deux pites, ils auraient dû donner tout leur argent. Là, ils auraient été intégraux. Ils auraient montré par là qu'ils étaient intégraux. Mais ils jouaient à être intégral en ne l'étant pas. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Dieu, lui, regarde nos cœurs. Il préfère une personne humble et modeste qui fait de tout son cœur ce que Dieu lui demande de faire, même si c'est humble. Que quelqu'un qui... Laodicée, tu te dis riche, mais tu es nu. Achète de moi de l'or éprouvé. C'est-à-dire, apprends à être intégral, entier. Donne-moi vraiment ta vie. Arrête de construire des temples religieux. Arrête, parce que tu as donné ta dîme, de croire que tu as contribué à construire le royaume de Dieu. Tu n'as rien construit du tout. Tu as construit quelque chose de terrestre qui est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'or éprouvé par le feu. Quel est cet or? Dans la lettre à l'église de Laodicée, c'est Jésus qui dit « Achète de moi !»
Au moins, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est le don intégral, permanent, perpétuel, dans la plus grande humilité et jamais dans la satisfaction glorifiante. Comme ça se voit si facilement. Ça y est, cher le Seigneur, depuis tout un temps, c'est bien, maintenant je suis quelqu'un. Waouh! Il n'y a pas loin du Capitole à la chute. C'est la même chose pour notre salut, notre nouvelle naissance, notre cheminement avec Dieu. En donnant tout, ou bien du superflu, en donnant notre temps à fond, sans compter, en donnant notre vie sans compter, et en restant d'autant plus modeste et humble que nous avons tout donné. Vous voulez être enlevé auprès du Seigneur lorsqu'il y a l'enlèvement, soyez de ces gens-là. Mais si en vous, une once de fierté, parce que vous faites ceci, vous faites cela, vous êtes ceci, vous êtes cela, il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéenne. Attention, vous allez tomber très bas. Lisons maintenant le verset 5 et le verset 6. Lisons ensemble. Comme quelques-uns ont parlé des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, maître, quand donc ça arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Alors je m'arrête là. 5 à 6 plutôt, j'en ai dit trop. Ici le temple détruit. D'abord les disciples disent, regarde, on a construit un édifice religieux magnifique. Regardons ma conscience, je suis dans une église, regarde comme j'ai avancé, comme j'aide à construire l'église. Je suis vraiment quelqu'un. Et en plus, ils ont amené des objets d'or, d'argent, des trucs, des choses, des machins. J'ai amené mes dons spirituels, j'ai amené ceci, j'ai amené cela. Je suis quelqu'un. Et Jésus de répondre, tout ça va être détruit. Parce que tout ça est vanité. Jésus dira à une Samaritaine, le jour viendra où on n'adorera plus Dieu à Jérusalem ou ailleurs, mais en esprit, en vérité. Il veut dire par là, il y a un chemin pour appartenir au Seigneur véritablement, en restant éternellement humble, tranquille, paisible. Ici, le temple détruit représente ce qui est construit religieusement, à quoi nous participons avec, au départ, parfois, une réelle consécration. Le temple a été voulu de Dieu, mais c'est devenu une idole. Ce n'est plus la maison de Dieu. Nous pouvons donc venir au salut et commencer à grandir dans une œuvre et la transformer en une idole, transformer notre cheminement dans l'Église en une idole. Et là, il n'y a pas loin du Capitole, à la roche tarpéenne. Le diable a commencé bien, très bien. Ah oui. Avant sa chute, il était magnifique. Mais un jour, il a transformé son service en un petit temple personnel. C'est moi qui vais être le dieu de mon service. Fini, terminé. Ce temple n'est plus qu'un décor religieux qui fonctionne à merveille avec les adeptes du service superficiel ou du service relâché. Attention, nous pouvons commencer dans l'humilité et nous relâcher et redescendre tout doucement dans l'orgueil. Avant, j'étais prompt à m'excuser, par exemple, dans mes comportements, prompt à regretter que j'ai commis un impair, etc. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Je blesse les autres, mais... Oui, bon, ben d'accord, je m'excuse. Hein. Oui. Aïe, 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 aïe. Là, il y a un signal, là. Il est en train d'aller vers... je suis trop important pour m'excuser.
ne faut pas accorder tant d'importance à mes fautes, à mes erreurs. Voyons, je suis quelqu'un. Oui, on peut arriver là. On peut quitter la zone de l'humilité parfaite et remonter doucement les gradins du Capitole. Et puis ensuite, c'est la roche tarpéenne. Comprenne qui doit comprendre. Je vous rappelle l'église d'Éphèse. Lisons ensemble. C'est l'église qui d'abord a tout donné. C'est l'église des deux petites pièces. Elle a tout donné au Seigneur, cette église. Elle était tout sacrifice. Mais à un moment donné, Dieu va lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ces dispositions de tout donner. Tu es devenue religieuse, église de Laodicée, d'Éphèse. Tu es devenue religieuse. Et lisons ensemble. Quel message ! Celui qui donne tout comme la veuve qui a donné ses deux petites pièces, même si ce n'est pas grand-chose, construit quelque chose pour la gloire éternelle de Dieu, le plus humble parmi nous, qui fait les choses sans faire de malin, construit tous les jours pour une gloire éternelle auprès du Seigneur, et il construit aussi pour la gloire de Dieu, oui, absolument. Waouh ! La gloire qui est céleste. Car il donne tout, car il connaît aussi celui qui lui a tout donné. Le Seigneur donne tout à celui qui lui a tout donné. Et il connaît même la capacité de tout donner sans hypocrisie, aucune du fond d'un cœur vrai. Je parle ici du croyant. A contrario, celui qui donne juste ce qu'il faut, même s'il participe à une œuvre importante, un temple, il y a des gens comme ça. On rappelle d'une personne qui fréquentait l'œuvre jadis et elle vivait très 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 bien, même c'était très bien, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas chez elle parce qu'on voyait très bien que, pardonnez-moi de parler de cela, mais elle donnait sa dîme, mais on voyait très bien dans son comportement, il n'y aura pas un franc de plus. Donc, elle donnait ce qu'elle voulait donner en disant « je donne beaucoup ». Elle était exactement comme les riches. Elle ne se donnait pas et elle donnait de son superflu en réalité. Je ne dis pas qu'elle devait nécessairement donner plus, ça ne regarde qu'elle-même. Mais vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Cette personne n'est plus dans l'œuvre. Un jour, elle est retournée dans le monde. Retournée dans le monde. C'est pas peu de choses. Celui qui donne juste ce qu'il faut, même s'il participe à une œuvre importante, une église, un temple ou un grand ministère, ne donne en fait rien. Et ce qu'il donne et ce qu'il aide à construire sera finalement ruiné. Cette personne est retournée dans le monde. Elle n'est plus une pierre vivante dans l'Église. Avis à tous les chrétiens intellectuels, ou compromis, hautains, orgueilleux, prétentieux, votre argent pour telle ou telle œuvre qui brille de tous ses feux ne vous sauvera jamais. Certains croient que parce que je donne, je vais être sauvé. Ça veut dire qu'en réalité, vous achetez votre salut. Vous achetez votre salut. Si tu n'es pas prêt à donner, je ne parle pas de l'argent, mais toute ta vie, et ça va se voir dans la façon dont tu donnes aussi de l'argent. Si tu n'es pas prêt à donner toute ta vie au Seigneur, et que tu donnes quelque chose en réel, tu monnaies avec Dieu, tu lui achètes sa faveur. Tu espères qu'il va t'être favorable. Oui, oui. Résultat, comme on ne trompe pas Dieu, Dieu va vomir, ce qui va te vomir un jour. Dieu veut que tu te donnes
vraiment. Autrement, il n'y a pas d'histoire d'amour possible avec celui qui a tout donné pour toi. Il est Dieu quand même, t'es pas n'importe qui. Il a fait sa part. Il a tout donné. Si tu ne donnes pas tout, et c'est ça le problème, le dilemme de beaucoup de personnes dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je ne vais pas tout donner à Dieu. Donc, je donnerai ce que j'ai envie de donner, et comme ça, maintenant, tu me laisses tranquille. Je suis en ordre avec... En fait, vous vivez avec l'église, vous ne vivez pas avec Dieu. Vous vivez avec un ministère, vous vivez avec je ne sais pas quoi. Mais vous ne vivez pas. Vous vivez peut-être parce que vous aimez telle ou telle tendance dans l'église où vous allez. Mais vous ne vivez pas avec Dieu. Vous n'avez pas compris. Avis à tous les chrétiens intellectuels qui... tendus. Je n'ai rien contre l'intellect. Nous en avons tous un. Mais votre argent pour telle ou telle œuvre qui brille de tous ses feux, apparemment, ne vous sauvera pas, et certains le croient. Et il arrivera même un moment où Dieu vous écartera parce que Dieu va vomir votre argent. La dernière fois qu'une personne réprouvée par Dieu, au lieu de se repentir, a glissé une enveloppe sur la table chez moi que j'ai vue après son départ, je l'ai prise et j'ai demandé qu'on lui rende cet argent. J'ai dit, tu arrêtes d'acheter. Je ne veux plus ton argent. C'est de l'argent mauvais. Il m'est arrivé de refuser certaines offrandes, quoi qu'en disent certains. Attention aussi aux à ce que Dieu reproche à l'église d'Éphèse. Tu as si bien commencé. Tu as si bien commencé, pourtant tu vas à la catastrophe, car tu as perdu ton premier amour. Le premier amour, ça veut dire je te donne tout. Ma vie t'appartient. Et je ne m'ennuie pas de ce que tu viens de me donner en étant dans une œuvre. Attention, mes amis, je vous assure, le nombre de personnes qui, parce qu'ils sont nommés anciens, je l'ai vu, anciens, tout jeune dans une église que j'ai quittée à cause de cela, j'avais la chance, et c'est vrai, la chance d'avoir été puissamment doté par Dieu à travers le Saint-Esprit. Et j'ai reçu plus tard cet avertissement, fais attention, l'important c'est pas comment tu commences, mais comment tu vas finir. Et j'étais confronté à des hommes qu'on appelait les anciens, qui étaient des chômeurs, je ne le reproche pas, qui étaient en fait des gens qui s'ennuyaient. Et comme le pasteur n'avait pas trouvé d'homme digne d'être aux yeux de la parole de Dieu, des vrais anciens, il avait pris ses anciens. Alors, quand, je vous assure, ma femme est témoin, quand nous sommes arrivés jeunes, chrétiens, innocents, remplis du Saint-Esprit, dans leurs yeux, la jalousie s'est éveillée. Et ils ont monté le pasteur, ils ont laissé croire au pasteur que nous avions que j'avais un projet nocif dans l'église, quelque chose, à tel point que je me suis trouvé un jour à la fin d'une réunion avec le pasteur qui me regardait avec des yeux glacés et ses pseudo-anciens, et le pasteur pointant du doigt devant moi me disant, toi, qu'est-ce que tu viens faire dans cette église? Il croyait vraiment que j'étais un envoyé du diable alors qu'il m'avait vu rempli de l'esprit. Et j'ai compris. J'ai déjà affaire devant moi à des pauvres bons hommes qui maintenant se croient être des demi-dieux parce qu'ils sont anciens, et ils découvrent à travers un jeune chrétien, et peut-être et ils l'ont découvert à travers d'autres jeunes chrétiens, bah, qu'ils sont rien. C'est grave ce que je vous raconte, hein. Ça existe. Vous rencontrez ça partout si vous allez un peu de l'avant. On va continuer. On va continuer, puis on va aller de l'avant. Verset 7 à la fin. Alors, lisons bien le verset 7 à la fin. Je ne vais pas m'attacher à détailler tout ce qui est dit là, mais il y a une atmosphère très forte qui résume tout ce passage, c'est le test.
On ne le voit jamais sous cet angle-là. On le voit comme un avertissement de ce qui va arriver. Mais on ne comprend pas qu'il y a là un test. Pour qui? Pour nous, les chrétiens. Il lui demandait à Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Yeshua répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Attention! Une des fonctions de la personne toxique est de vous séduire. Ah, elle ne va pas venir vous séduire pour essayer de vous emballer. Par son contact, elle va vous séduire. J'ai écouté hier deux prophètes. Et le premier, après quelques instants, parce que je connais ce prophète, qui est un faux prophète, il annonce des choses très spéciales. Mais il a commis une erreur anti-biblique grave dans sa prédication. Il a dit, il faut toujours considérer le rythme des saisons de Dieu sur la terre à partir des fêtes juives, et notamment du nouvel an juif, Rosh Hashanah. Ah bon? C'est un ignorant. Le véritable nouvel an juif, c'est à Pessah, ce n'est pas à Rosh Hashanah. Donc tous ces calculs sont faux. C'est un faux prophète. Et il parle bien. Il vous parle de choses tellement. C'est un faux prophète. Il y a quelque chose de nocif. Nous avons des faux prophètes aujourd'hui. J'en ai écouté un autre qui est savant. Mais vraiment savant. Ah, il pioche le Tanakh, il pioche les Écritures. Et puis attention, il découvre des choses formidables. Qu'à mon avis, entre nous, il pioche chez d'autres. Mais seulement, le malheur, voyez-vous, c'est que nous aussi, nous avons cru, il y a des années, cet homme-là est intéressant, nous l'avons invité, mais alors, quand nous avons vu le témoignage, jalousie, hypocrisie, critique dans le dos, ambiguïté sexuelle, hey, mensonge, vantardise. L'homme était creux. Il n'existait que par ce qu'il copiait ailleurs et qu'il reproduisait en disant je suis. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Faux enseignants, faux. Hein. Mais. On continue, hein, on continue. Vous serez testé. Est-ce que vous allez être séduit ou pas séduit? Si vous n'avez pas un cœur entièrement pour le Seigneur. Moi, je vois bien, il y a des gens saints, pas mieux. Pas tellement instruits, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, ils le voient tout de suite. C'est drôle, hein? Et il y a des gens très instruits, ils voient rien. Ils voient rien du tout. Si vous voulez ne pas être séduit, il faut un cœur humble. Il faut que l'Esprit de Dieu ait toute la place et que vous n'en ayez plus aucune quand l'Esprit de Dieu est là. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps approche. Il y a eu beaucoup de faux prophètes qui ont dit qu'ils étaient le Messie, ça c'est pour Israël. Mais nous avons eu aussi des gens qui se disaient « Le Christ de Montfavet », etc. Et nous avons maintenant une volée de ministères qui passe du Capitole à la Roche Tarpéenne, parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que... Et pourtant, Dieu leur a confié des dons magnifiques. Nous avons des gens avec des dons magnifiques. Attention, je ne dis pas que tous les gens qui ont des dons magnifiques, je ne dirais jamais ça, sont des gens dont il faut se méfier. Mais attention, si tu te confies dans la gloire que Dieu t'a confiée, est-ce que je me fais comprendre? Tu deviens dangereux. Pour toi-même et pour les autres. Et tu es en droite ligne, en train d'aller vers cette rencontre avec Yeshua qui te dira un jour, toi, je ne t'ai jamais connu. Tu as utilisé la gloire que j'ai posée sur toi pour toi. Tu as fait comme Saül, comme le roi Saül. Le roi Saül, c'est ça. Il a été loin.
Et il se croyait tellement fort qu'il s'est dit, bon, ben, ok, j'ai pas besoin d'obéir à Dieu, Samuel n'est pas là, je fais le sacrifice à sa place. Voilà. Crac. Du Capitole à la Roche Tarpéenne, tout en bas. Terminé, fini. Dieu va prendre un autre roi, c'est fini pour toi seul. Waouh. Continuons. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Nous sommes exactement dans ce temps-là, ok? Donc ne soyons pas troublés. Bon, j'ai résolu de regarder beaucoup moins les nouvelles, parce que je le faisais par intérêt, puis je me suis rendu compte que finalement, ben, bien sûr, le monde devient fou, complètement fou. Bon, mais ça va arriver. Donc, je laisse de côté, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation. C'est exactement ce qui arrive maintenant. États-Unis contre Chine, Chine et Iran contre Israël, contre les États-Unis, et tout ça va s'empoigner, et faire une énorme guerre, bien sûr. Mais tout ça doit arriver. Et un royaume contre un royaume. Alors le test, c'est de, vous allez vous en faire, vous allez continuer à m'aimer, me servir pendant que tout ça arrive. Ok ? Il y aura de grands tremblements de terre. Ah ben oui, il y en a de plus en plus. En divers lieux, des pestes, ça veut dire toutes sortes de maladies. Pas besoin de vous décrire. Nous avons des nouvelles. Le sida est une nouvelle maladie, c'est une peste. Et on a bien d'autres, de nouvelles maladies qui proviennent du dérèglement humain, etc. Bon, le Covid, c'était ça, hein. C'est une peste, point barre. Elle sort d'où, c'est pas. Bizarre. Le Seigneur nous a prévenu, ça arrivera. Il y aura peut-être encore autre chose bientôt. Mais on va pas se laisser dominer par ces choses-là. On continue à traverser. Attention. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. C'est ce qui est arrivé aux premiers disciples de Jésus, hein, très clair. Et c'est ce qui arrivera encore aujourd'hui, c'est ce qui arrivait tout au long de l'Église. On a brûlé des gens sur des bûchers parce que l'Église catholique disait que le bras séculier doit les brûler, on les livrait à la justice des hommes pour les faire mourir. Même Calvin l'a fait avec Servet. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Dieu veut qu'à travers tout ce qui est venu et qui s'en vient encore de difficile, nous puissions, si jamais je manque de modestie aujourd'hui, je vais avoir quel témoignage? J'en ai aucun. Dieu pourra utiliser de manière bien plus puissante le moins instruit d'entre nous, mais le plus modeste d'entre nous, convaincra de péché, de jugement et de justice à travers les mots qu'il prononcera plus facilement que le plus instruit d'entre nous qui se croit être quelqu'un dans l'œuvre du Seigneur. Soyons honnêtes, prends bien d'âme, amenons-nous au Seigneur. C'est le test, vous savez, on voit. Les humbles amènent au Seigneur, les autres pas. Ils essayent. Il n'y arrive pas. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, etc., etc. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, des gens toxiques dont vous n'êtes pas séparés. Ils finiront par vous... Ouais, bien sûr, ça arrivera. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Oui, des enfants feront mourir les parents, oui. Ils essaieront en tout cas. Le diable les utilisera. Oui, ils le feront. Oui, oui, absolument. Vous avez des doutes? Alors, regardez vos enfants. Pas toujours si gentil que ça, hein? Alors, ça. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais... Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Ça veut dire, je verrai sur vous si vous traversez tout ça en restant humble, doux, modeste, rempli de l'esprit, non pas pour faire le malin. Quelquefois, on entend un témoignage, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte, la personne? Elle se vante, elle croit qu'elle a fait une œuvre. En lieu et place de Dieu. Mauvais signe. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture.
Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire que vous risquez de perdre votre âme dans la bataille. Le chemin pour garder votre âme, c'est le service intégral. À quelle catégorie est-ce que j'appartiens ? Est-ce que je suis de ceux qui donnent tout avec une humilité ? Je parle du cœur ici, hein. Je n'ai jamais dit qu'il faut donner tous ses biens, je n'ai pas dit ça. Les premiers disciples l'ont fait à Jérusalem. Mais on voit très bien certaines personnes qui font juste leur devoir et qui achètent quelque part leur droit à être dans l'église. C'est tellement malsain, c'est tellement moche. Et ça, il faudrait le refuser. Mais on en voit d'autres. Quand Dieu leur parle, qu'ils voient leur frère qui manque, qu'ils lui donnent. N'est-ce pas ? Et il y en a qui le font, et c'est bien. Et ils se taisent, ils ne disent rien. Service intégral, d'où le verset 18 et 19 que j'ai lu maintenant, etc. Bien. Il est question là de quelque chose que j'essaie de mettre dans votre esprit. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous pouvons bien commencer et entrer dans une phase de décadence spirituelle qui devient irréversible si nous n'y prenons garde. Nous allons étudier le roi Salomon ensemble. Salomon, et nous allons aller dans le livre des rois, si vous voulez bien. Je sais que c'est un peu long, mais tant pis, écoutez. Bien sûr, beaucoup de gens aujourd'hui, après un quart d'heure, sont fatigués d'écouter, mais parce qu'ils sont devenus, Alors nous allons lire un passage important pour voir qui était Salomon. Nous allons voir si c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a pas eu un homme plus béni que Salomon. Entre parenthèses, il est le fils d'un roi qui est resté humble et droit devant Dieu, même quand il a péché. Il n'a pas chipoté, il a confessé à genoux devant Samuel sa faute. Voilà un homme vrai. Et bien comme Saül qui dit, mais tu n'arrivais pas, alors j'ai décidé que je faisais le sacrifice. Mais tu ne pourrais pas dire que tu tombes à genoux et tu dis, j'ai fait une chose catastrophique, je me suis pris pour qui ? Je me suis pris, moi, pour un sacrificateur, le prophète qui doit faire le sacrifice. C'est une abomination. Je me prends pour qui ? Il y a des gens à qui, quelquefois, il m'est arrivé de dire à certaines personnes, mais vous vous prenez pour qui ? Quand vous parlez comme cela, avec une telle arrogance, vous vous prenez pour qui ? Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, notez qu'il ne dit pas ici le temple des Juifs à Jérusalem, il dit la maison de l'Éternel. Il a bien commencé là. La maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, donc en plus il est la maison du roi et on peut considérer qu'elle est comme dans la maison de l'Éternel. Donc tout est bien là. Il est au top. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Donc en plus, Dieu lui apparaît. C'est pas n'importe qui, Salomon, n'est-ce pas ? Comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière, ta supplication que tu m'as adressée. Voyez, Salomon là, c'est un homme qui cherche Dieu. Il a supplié Dieu, il l'a cherché, il a prié, il a cherché Dieu de tout son cœur. Et Dieu l'exauce. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà, ce n'est pas tellement le temple construit avec de la pierre qui est important pour Dieu, c'est l'attitude de Salomon que Dieu... Dieu dit, je résiderai avec toi dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Transposons maintenant, quand est-ce que Dieu dit à quelqu'un qui est sauvé, soi-disant, ou vraiment sauvé, je vis avec toi. Quand je suis quelqu'un qui cherche Dieu,
Cherchez Dieu, rappelez-vous, c'était le thème du message du Shabbat dernier. N'oubliez pas trop vite, cherchez Dieu, et quand on le trouve, surtout, restez très modeste. Et Salomon l'a été. Du coup, Dieu l'a archi béni. Dieu l'a enrichi au-delà de tout. On peut transposer, Dieu peut nous enrichir spirituellement, voire matériellement, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, si nous l'avons cherché, si nous l'avons trouvé, si nous sommes entrés dans un véritable salut, si nous avons renoncé à l'orgueil, qui est la barrière pour la bénédiction qui s'oppose à la bénédiction de Dieu, et si nous restons après, lorsque Dieu nous visite, dans l'intelligence de l'humilité, je me fais petit, je continue, je fais juste mon job que Dieu m'a dit de faire, eh bien là, Dieu va bénir bien plus que tu n'aurais imaginé. Dieu va te surprendre si tu es dans cette dimension-là. Et toi, si tu marches en ma présence, verset 4, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ok ? Mais si vous vous détournez de moi et que vous vous mettez vous sur le trône, en d'autres mots, comme l'a fait Saül, eh bien, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vais prescrire, si vous allez servir d'autres dieux et vous procéderez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Salomon est au sommet dans la consécration. Il a beaucoup reçu la bénédiction de Dieu sur lui, la faveur de Dieu sur lui. Tous ceux qui viennent à Christ reçoivent une faveur incroyable. Et certains, après avoir fait pas mal de gaffes d'ailleurs, et ont compris que c'est eux-mêmes qui sont dangereux pour eux-mêmes, sont devenus intelligents, ils restent modestes. Ils s'empressent vers les autres. Ils aiment Dieu, ils aiment l'Église. Ils ont un comportement intégral, permanent, pour le Seigneur et pour les autres. On ne leur demande même rien. Ils anticipent sur tout. On n'a pas besoin de leur dire, tiens, il y a un besoin là. Ils voient le besoin et ils vont vers le besoin. Voilà. Ils sont sages. Ils sont très sages. Pardonnez-moi. Lisons à présent, nous l'avons lu, je pense, le roi, 1 roi, chapitre 9. Nous l'avons lu. Hein. Voilà, Dieu est apparu à Salomon deux fois, parce qu'il le cherchait de tout son cœur. Je vous ai déjà témoigné que pendant 4 ans, dans la chambre qui se trouve au-dessus, là, avec mon épouse, nous dormions là. Tous les soirs, nous nous endormions. Et moi, je ne m'endormais pas. Je passais la nuit à dire, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je te cherche, je veux te voir, je veux te voir, Jésus. Je voudrais te voir, je sais que je suis... j'ai besoin encore de changer, je sais, mais je veux te voir, je veux te voir. Au bout du compte, ok, j'ai vu Jésus. Salomon a vu Dieu deux fois. Vous croyez que c'est parce que c'est Salomon, alors Dieu a dit, ouais, je descends, là, là. Ça, c'est le discours de chrétien égaré aujourd'hui. Moi, Dieu, le Saint-Esprit va me faire faire des trucs extraordinaires. Seulement ceux qui cherchent Dieu vivent là des choses glorieuses avec le Seigneur. Salomon a vu Dieu. Et il a construit un temple. Traduction, il construit une œuvre, un ministère, une église, et tout est posé. Mais nous allons voir qu'il y avait, oui, qu'il y aura une faiblesse, aïe aïe aïe, dans le cœur de Salomon. Rappelez-vous l'église d'Éphèse. Tu as bien commencé, tu fais tout bien, tu as reçu beaucoup de moi, mais tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes plus. Aïe, aïe, aïe. Première église.
Et Salomon n'a pas veillé, car le Saint-Esprit, chaque jour, à chaque instant, si nous sommes des intégraux, déterminés pour Dieu, il peut et il doit nous interpeller sur telle ou telle faille possible dans notre caractère, notre comportement. Et il y a des gens, rien qu'à les voir, c'est des blocs de granit. Le Saint-Esprit ne les interpelle quasiment jamais. Il ne bouge pas, il ne change pas. Une fois pour toutes, pof, moi, ça va. Waouh. Peut-être qu'ils sont déjà en bas de la roche carpéenne, ils ne le savent même pas. Rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt. Persévérez afin de sauver vos âmes. Vous pouvez vivre chrétien en détruisant vos âmes. Et vous les perdez. Je ne parle pas ici d'aller en enfer, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de parler de cela. C'est entre vous et Dieu, c'est Dieu qui vous dira, pas moi. C'est Dieu qui me dira moi aussi. Voilà, il y avait donc une faille dans le cœur de Salomon qu'il a acceptée. Ça l'a perdu, ça l'a détruit, il a perdu tout. Comme Satan a perdu sa place d'archange supérieur dans le monde angélique, Salomon a perdu tout en une fois. Et si vous lisez bien l'Écriture, on est tantôt, on voit qu'il ne s'est pas repenti. Il n'est pas tombé à genoux comme David son père, lui, l'a fait. Et c'est ça qui est terrible. Mes amis, attention, je vais vous citer un exemple, c'est l'apôtre Pierre, sauvé et pourtant vivant avec une faiblesse en lui, un désir de plaire à tous, vous voyez, prêt au compromis. Il voulait plaire à la fois aux juifs et aux païens. Et Paul, l'apôtre Paul, va le reprendre en Galates 2, verset 11 à 14. Nous allons lire dans quelques instants. Mais avant que Paul ne le reprenne dans Galates, allons dans Galates. Galates 2, verset 11 à 14. Rappel, Pierre était pourtant rempli du Saint-Esprit. À la Pentecôte, il a connu l'effusion du Saint-Esprit la plus extraordinaire qui soit, celle de la Pentecôte. Il était doté de dons spirituels superbes, miracles, tout, il avait tout. En acte 2, on voit ça. Pierre accomplit des miracles en acte 3 et tout le long de son ministère. Pierre prêche avec autorité. Acte 2, acte 3, il amène des âmes au Seigneur. Pierre persécuté, acte 4. Pierre convaincu que l'évangile est autant pour les païens que pour les juifs, acte 10. Et c'est pourtant le même Pierre qui va montrer une faiblesse dans Galates 2, 21, à tel point que son frère en Christ va devoir le reprendre en public. On connaît tous ça, Galates 2, verset 1, 11, pardon, lisons ensemble. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Voilà un homme ultra béni. Et il y avait une faille. Et il était répréhensible. Il y a peut-être dans notre cœur, si nous sommes très très bénis, quand même une faille qui risque de nous faire descendre tout en bas de ces quatre matins. Il faudrait y prendre garde. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Yaakov, de Jacques, il mangeait avec les païens. Donc Pierre mangeait avec les païens. Quand il mangeait des crevettes, du, je ne sais pas, cochon, pas ce qu'il mangeait. Et des païens, mangeaient avec eux. Peut-être même que c'est des païens qui essaient de manger cachère comme les juifs, mais pas à la mode super cachère. Vous voyez ce que peut-être. Alors Pierre mange avec eux en disant, bon, voilà, cette personne ne me... Voilà. Hein? Et quand ils furent venus, et ils s'esquivaient et se tenaient à l'écart par crainte des circoncis. Donc quand les super... partisans circoncis de la cache-route arrivent, alors Pierre, il quitte la table des païens et pour montrer, c'est quoi ça? Hypocrite. Il voulait s'entendre avec tout le monde. Il a eu cette faiblesse de vouloir s'entendre avec tout le monde. Il va montrer une faiblesse car il veut plaire à tous. Celui qui suit
intégralement dans l'humilité le chemin du Seigneur va déplaire à beaucoup de monde, croyez-moi. Alors quand vous venez me dire, oh moi je suis content, j'ai vraiment une amie à qui je témoigne, etc. Je lui dis, tiens, peut-être que tu es sur un très mauvais chemin, tu ne t'en rends même pas compte. Vous ne pouvez pas être ami avec les gens du monde, c'est impossible. C'est impossible. J'ai entendu ça, c'est bien sûr. Et vous vivez comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, jamais une âme ne vient au Seigneur parce que vous n'avez jamais été ennemi des gens qui sont vos ennemis, les païens. Et vous ne pouvez pas faire, comme on dit en Belgique, bébelle avec tout le monde. C'est tellement facile. Et c'est aussi le même Pierre qui va montrer une faiblesse, car il veut plaire à tous. Il devrait dire, quand il mange avec les païens, quand les circoncis sont entrés, il aurait dû continuer à manger avec les païens, sans être hypocrite, et quand les circoncis seraient arrivés, se moquer complètement de leur regard, puisque les païens sont sauvés autant que les juifs circoncis. Et alors, on a en lui quelque chose... Vous voyez ce que je veux dire? Quel avertissement, combien d'entre nous, que nous soyons pasteurs, des serviteurs de Dieu qui n'osent pas dire la vérité parce qu'ils devaient être bien avec tout le monde, parce que tout le monde donne sa dîme. Celui qui n'a pas peur de perdre une personne qui s'en va parce qu'elle elle ne veut pas accepter ce que tu prêches de juste et qui va partir avec sa dîme, tu ne dois pas le craindre une seconde si tu es un homme de Dieu. Je sais de quoi je parle. Pasteur, prophète, apôtre, simple chrétien, voulons-nous avoir le courage de dire, de faire quelque chose qui ne plaira pas à tous? Vous savez, en vivant en famille ou même en couple, je suis marié, j'ai une femme, il peut se faire qu'il y a à un moment donné quelque chose chez moi qui ne va pas plaire chez ma femme, et si elle ne me le disait pas, je la mépriserais. Je dirais, mais tu es lâche alors toi. Et inversement, si elle devait faire quelque chose qui me déplaît et que je ne lui dise pas parce que je veux être bien avec elle, ça veut dire que je tire un avantage de ma relation avec elle, c'est d'un égoïsme terrifiant. Elle me mépriserait aussi et elle saurait que je ne l'aime pas mais que je profite d'elle. Quand vous n'osez pas dire la vérité à quelqu'un, c'est parce que vous avez un intérêt. Vous êtes corrompu, vous êtes lâche. Vous cherchez votre confort. Vous recherchez et vous êtes le fait au prix de votre intégrité. Je suis certain que Pierre, il a ramassé la claque une fois et il s'est repenti. Autrement, jamais il n'aurait été le ministère que nous connaissons. Combien d'entre nous, nous ne repentons jamais de faire des compromis? Retournons à Salomon, 1 roi 10, on avance. 1 roi chapitre 10. Oui. 1 roi chapitre 10. La reine de Séba, la reine de Saba, si vous préférez, a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et il était au top. Extraordinaire, Salomon. Et c'est vrai, c'était extraordinaire. Et il devait en grande partie ça à la bénédiction qui venait de son père David, en fait. Qui, lui, est mort extraordinaire. Humble. Victorieux, mais humble. Il y a une grande humilité chez David. C'est le secret de ça. Du fait que Dieu l'a choisi comme futur roi, c'était ça. Rappelez-vous, quand Samuel vient chercher chez Isaï, un futur roi d'Israël, il va passer en revue tous les... Ils sont 6 ou 7, je ne sais plus. 5, 4, 7. 7. Chiffre parfait, 7. Rendez-vous. Sauf David. David n'est pas là. C'est le 7e, David. C'est possible. Je crois que c'est le 7e, je ne suis pas sûr, mais rendez-vous compte. Alors il va prendre le premier, le plus beau, le plus grand, le blanc. Ah, tchac. Il va vers lui, puis Dieu dit non, non, pas lui. Et puis le deuxième, non, pas lui. Alors Samuel dit, mais il vous en reste bien un, au moins, parce que c'est aucun de ceux-là. Ah oui, il y a le petit dernier, là.
David, allez me chercher. Crac, c'est lui. C'était le plus modeste de tous. Les autres, Dieu savait qu'ils échoueraient comme Saül. Et nous pouvons tous échouer complètement notre appel en étant appelés par Dieu ou appelés par les hommes peut-être. J'ai connu une époque où dans un milieu que je fréquentais, que je ne fréquente plus du tout, certains chrétiens, persuadés d'avoir un ministère, faisaient des pieds et des poings pour qu'on les reconnaisse ou prophète, ou pasteur, ou que sais-je d'autre. À la fin de guerre lasse, certains responsables les ont reconnus, parce que oui, il y avait eu une prophétie ou l'autre, il y a eu ça, alors voilà. Mais en fait, ils leur ont rendu un très mauvais service. Très mauvais. Je n'établirai jamais quelqu'un sans avoir la certitude, et ça c'est une chose que j'ai apprise, que la personne est vraiment humble devant Dieu. Une fois pour toutes, définitivement. Autrement, pas de place d'ancien, pas de place de... rien. Rien. Je continue avec la reine de Saba. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Alors, parce qu'en plus, Salomon avait une sagesse extraordinaire, sagesse venue de Dieu. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit ce qu'elle avait dans le cœur. Shlomo, c'est le vrai nom de Salomon, Shlomo, répondit à toutes ses questions et n'eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Vous savez, il y a des hommes de Dieu au un d'une telle façon qu'ils peuvent répondre à tout. Ils sont super intelligents? Non. Ils ont l'Esprit de Dieu. Salomon était de ceux-là. Et pourtant, il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéenne. Ah, il y avait une faiblesse. Il y avait une faiblesse, et on va l'étudier aussi rapidement. Sa faiblesse, ce n'est pas d'aller vers toutes sortes de femmes qui adorait des dieux païens, parce qu'il a épousé des païennes. 700, rendez-vous compte, 700 femmes, qu'est-ce que tu veux avec 700 femmes d'ailleurs? La faiblesse, c'est qu'il s'est dit, je ne suis pas n'importe qui, il a fait comme Saül. Donc je peux me permettre un écart, ce n'est pas grave. Je suis trop important pour Dieu. Ah ben, mes amis, il l'a payé très cher. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure, tout ça est bien, hein, et la demeure de ses serviteurs qui étaient bien logés, s'il vous plaît. Ah oui, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Ah, ça, la louange, etc. Et elle en eut le souffle coupé. Une telle présence de Dieu sur un homme, incroyable, je n'ai jamais vu ça. Et dans le monde entier de l'époque, la sagesse de Salomon a été connue comme exceptionnelle. Et pourtant, elle va chuter. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité, y compris spirituelle. Ok ? Que la renommée ne me l'a fait connaître. Etc., etc. Alors, voilà, elle va apporter de l'or, elle va apporter des aromates, elle va passer un temps auprès de Salomon. Elle va aller chez un pasteur extraordinaire qui a une sagesse surnaturelle. Ça existe, figurez-vous. Et elle va repartir. La sagesse et la richesse quasi surnaturelle de Salomon. Une réussite parfaite. Et la chute va venir par une faiblesse non discernée, car Salomon, à un moment donné, est trop imbu de ça, de la gloire que Dieu lui a donnée. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle qui?
Dites-le. Mais oui, Satan, avant d'être Satan, il a été le plus grand archange. Il a été imbu de la gloire que Dieu faisait reposer sur lui pour louer Dieu et pas pour se louer lui-même. Il a chuté. Salomon va tomber dans le même piège que Saül, le même. Trop imbu de sa réussite glorieuse. Mes amis, attention à cela. C'est tout à fait possible pour certains ministères et pour certains chrétiens qui manquent d'intelligence, c'est-à-dire d'humilité. Pour certains mouvements, l'orgueil spirituel. Il y a des gens, vous rencontrez de certains mouvements, vous vous enfuyez tout de suite. Un jour, j'étais assis à côté d'un pasteur dans certains mouvements. Je ne dirais pas de quel mouvement. Mais un mouvement qui a connu son heure de gloire. Et le monsieur était assis à côté de moi. Moi, j'étais en chemise, comme ça, tout simple. Modeste, quoi. Tranquille. Voilà, je sais pas. Et lui était raide devant, à côté de moi, en me regardant, vous savez, c'est qui celui-là? Je l'ai regardé, un peu comme Charlie Chaplin, qui regardait, moi ça va, et vous, ça va? J'ai dit, oh là là, j'ai affaire à un gars qui est aussi raide qu'un bâton, là, oh là là, je vois d'où il sort, de telle dénomination qui, attention, c'est nous les grands, là. Et il m'a dit, vous êtes qui? Ah, bah, j'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Ah, dans quelle dénomination? Ah, pas la vôtre. Ah, bon. J'ai pensé à moi-même, tu es vraiment un pauvre type. Tu n'as rien compris. Tu perds ton âme, mon vieux. Tu crois être grand, tu es misérable, tu es nu, achète de Jésus de l'or. Donne-toi du fond du cœur à Dieu et pas à ta dénomination dont tu as les tics. Tu sens aussi mauvais que ta dénomination. Tu as l'année, tu prêches avec les mêmes mots, les mêmes infections de voix. Tu es un clone religieux, tu n'es pas un homme. Au départ, ils ont construit le temple de leur réussite avec l'aide de Dieu. Certaines dénominations, oui, il y a eu un réveil merveilleux. Il y a une dénomination que je nommerai pas, mais dont le fondateur était anglais, a dit, je vous ai amené un réveil, vous allez construire une... qu'est-ce qu'il a dit? Un monument. Un monument à la gloire de l'homme. Avant de mourir, il a dit ça. Il avait amené le réveil. Il a semé... Le réveil partout il est passé, dans le pays où il était. Et puis derrière lui, il y a des ambitieux qui disent « Ah ben on va être quelqu'un, hein, on est dans le plus grand mouvement. » Et là, vous allez construire une forteresse à la gloire de l'homme. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Et parmi eux, il y a des pasteurs qui se suicident. Et parmi eux, il y a des pasteurs qui m'ont invité en cachette pour venir prêcher le séminaire sous le couple en disant « Je t'invite pour prêcher avec certains membres d'église. » Mais je ne peux pas t'inviter officiellement parce que tu ne fais pas partie de notre mouvement. Donc sans faire partie d'un mouvement, vous n'existez pas. C'est rare. C'est archi répandu. Imbu de leur bénédiction, certains ont oublié de veiller. Or l'Écriture nous dit, Dieu nous dit, veillez et priez car la chute par la griserie de sa réussite peut tout toujours nous aveugler. Ok? Je vous ai déjà raconté le test que j'ai vécu, je ne vais pas le re-raconter. Quand je prêchais il y a des années à la Chaux-de-Fonds, et où un super surnaturel est intervenu, n'est-ce pas? Avec ces deux câbles électriques que j'ai sentis, c'était une manifeste, oui, c'était quelque chose de l'esprit qui m'accompagnait en entrant dans la salle et les gens tombaient. Et il y avait des choses formidables qui se passaient. Et en plein milieu de cette présence glorieuse de Dieu, parce qu'il y a vraiment quelque chose de glorieux. Dieu m'a dit, et maintenant, que vas-tu faire? C'était le test, et j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Oh là 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 là!
J'ai compris, je reste ici, j'utilise toute cette onction, les dons spirituels que tu m'as donnés, Dieu ne reprend ni ses appels, ni ses onctions, ni ses ministères, ni même son onction. Mais j'ai compris que je pouvais utiliser tout ça pour monter en mayonnaise mon personnage ou que je devais rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Dieu m'a dit, ok, la semaine prochaine, tu quittes cet endroit. Il y a trois petites vieilles dans le sud de la France qui t'ont écrit et qui disent qu'elles ont entendu tes messages et elles aimeraient tellement te voir et que tu puisses passer un temps avec elles. Mais voilà, elles croient bien que tu ne viendras jamais les voir parce que ce sont trois petites vieilles qui aiment vraiment le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, tu sais quoi, tu vas leur faire la surprise, tu vas aller les voir. Et je suis allé les voir. J'ai laissé mon grand réveil. Ah, ça vous choque, hein? Waouh! 1 Roi, maintenant, chapitre 11, versets 1 à 9, lisons. Voilà la chute. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 9. Pas besoin d'en dire long. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Étrangères. Déjà, il sait qu'il fait quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais il le fait. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Bref, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Salomon, voilà, s'est mis à. Voilà. Il a couché avec toutes ses femmes et puis il dit, bon, il faut leur faire plaisir. Voilà. Puis, hein, voilà. Bon, bah, on va leur construire des temples à chacune, des temples à leur Dieu. Et voilà que le grand Salomon, fils du roi David, qui a reçu tant et tant et un ministère fabuleux, incroyable, va tomber dans le compromis. C'est là de sa chute. Et tout ministère qui perd l'obéissance à Dieu dans l'humilité, quelle que soit la puissance, et je parle de ministère ou de simple chrétien, que Dieu vous a accordé, vous chuterez. Si vous vous dites, je suis arrivé, je ne peux plus chuter maintenant, je suis quelqu'un. Et je vous assure qu'il y a des fourgons entiers de personnes qui tombent dans ce piège. J'en suis convaincu. La suite, on la connaît. La suite, on la connaît. Je ne vais même pas m'étaler là-dessus. Celui qui fut un modèle de réussite donne le ton après à sa suite. Si vous lisez tous les chapitres qui suivent, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez, comme par hasard, comme une maladie spirituelle. Ça va aller de mal en pis. Donc, d'un homme extraordinairement... Ah, vous savez, moi j'ai connu des prophètes orgueilleux qui ont voulu faire une école de prophètes et qui ont formé des gens... Parce qu'ils voulaient les former, eux, et non pas parce que Dieu les appelait à être formés, ses disciples. Et j'en ai eu un jour dans une réunion, parce qu'il a fait le forcing pour venir, Dieu m'a dit un jour, laisse-le venir, tu vas voir de quoi il est fait. Et il est venu. Et il nous a fait des prophéties du genre karaté, shtam, chim, 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 jiba, des tas de trucs, en s'énervant beaucoup, une agitation qui cachait un grand malaise. Et à la fin, j'ai dit, très bien, et je me suis levé et j'ai donné 3-4 prophéties calmement à des gens sans faire le moindre cinéma. Et après, le Seigneur m'a dit, tu appelleras ce prophète après la réunion, pas devant tout le monde, tu lui demanderas de venir. Parce qu'avant de venir, excusez-moi, je suis prudent, il y a des enfants, il avait commis un acte de grande impureté, vous avez compris ce que je veux dire ? Que commettent certains hommes. Et il est venu quand même. C'est un homme qui a été berné par un orgueilleux qu'il a établi prophète alors que cet homme n'était pas, même pas réglé dans sa vie sexuelle. Un aveugle conduit un autre aveugle. Un
message d'avertissement que je lance, je me suis aussi trompé parfois en essayant de donner la formation à marchand à certaines personnes et croyant que la formation à marchand que je donnais allait automatiquement amener des gens faits pour le... Et puis j'ai dû constater qu'ils n'étaient pas faits. Alors maintenant, je donnerai la formation à marchand à quelqu'un de modeste et d'humble. Je l'enseignerai de lui à moi, et pas systématiquement. Et s'il y a quelque chose qui se dessine pour un appel de Dieu, je vais l'accompagner pour qu'il reste bien humble et modeste. Pour ne pas qu'il aille se perdre. Voilà. La suite, c'est que Dieu a rejeté Salomon. Il ne s'est pas repenti d'ailleurs. On ne parle pas de sa repentance. Vous pouvez lire, hein? C'est dans 1 Roi chapitre 11. Voilà, à partir du verset, on va faire court, hein, 12. Seulement, Dieu va dire à Salomon, voilà, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il avait tourné son cœur vers lui. Il avait détourné de Dieu. Pour garder son cœur tourné vers Dieu constamment, il faut rester très intelligemment modeste, petit. Même si tu es archi béni, dès que tu quittes ce plan de la modestie, de l'humilité, c'est fichu pour toi. Et ce que tu vas engendrer, c'est catastrophique. Tu peux même te faire des disciples et tu vas le rendre pire que toi. L'exemple que je viens de vous donner parle. L'Éternel fut irrité contre Shlomo parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui pourtant lui était apparu deux fois, s'il vous plaît. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Shlomo, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et que mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Yerushalayim que j'ai choisi. » Est-ce que nous voyons une trace de la repentance de Shlomo? Rien du tout. Donc, la destruction s'abat. Et je ne vais pas lire la suite, mais vous la lisez vous-même, lisez toute la suite. C'est sans arrêt le même processus qui va se répéter. Et la finale, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et d'impressionnant, amen, la finale c'est que, eh bien, ce que Salomon aura initié va se répercuter spirituellement dans sa descendance au point que l'Éternel devra chasser 10 tribus de la terre d'Israël et où il dira « Je n'en veux plus ». Les 10 tribus d'Israël étaient devenues toxiques pour Dieu lui-même, et pour tous ceux qui étaient en présence de la... Vous vous rendez compte? Alors là, on retombe sur nos pattes avec le message sur le comment gérer les chrétiens toxiques. Et il y a un moment où Dieu les écartera toujours s'ils restent toxiques. Invariablement. Et dans le cas des 10 tribus d'Israël qui sont l'héritage de la corruption de Salomon, hein. Dieu va me dire, je n'en veux plus comme peuple, je les oublie dans le monde. Et c'est l'image qui doit nous monter à l'esprit parce que nous voyons des chrétiens toxiques ou qui sont en orgueil pour ce que Dieu a fait d'eux. Et à un moment donné, Dieu les écarte et Dieu les noie dans le monde. Ils deviennent plus mondains que le monde et ne peuvent plus revenir. La suite des deux royautés, on la connaît, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Et
une espèce de contradiction permanente entre obéir à Dieu et désobéir à Dieu. Vous voyez, le compromis est la gouvernance de roi sans consécration, sauf pour de rares moments. Même la consécration disparaît. Un homme corrompt la consécration que Dieu lui a accordée parce qu'il s'enorgueillit et il croit « je peux tout faire parce que je suis tellement important aux yeux de Dieu ». Un jour, j'ai entendu un prophète, vous savez, un homme qu'on disait prophète, que j'ai connu. Et j'ai écouté, il y a quelque chose qui me trouble, qui me dérangeait chez cet homme. Et il y avait un orgueil. Et en l'écoutant, j'ai entendu ce qu'il disait vraiment au fond de lui-même, au fond de sa tête. Je suis tellement extraordinaire qu'il a bien fallu que Dieu me sauve. Je vous assure que c'est ce qu'il disait à travers, c'est ce qui sortait de son esprit. Et c'est ce qu'il croyait. Je suis exceptionnel. Et il y croit peut-être encore toujours. Le compromis et la gouvernance du roi sans consécration, sauf de rares moments, au final pour Israël, n'est-ce pas, l'exil, les 10 tribus, n'est-ce pas? Et puis, juste avant, on arrive à quoi? Dans la série des rois d'Israël, on arrive au pire. Jézabel, Akab. Lisez, vous verrez. Ce sont les derniers avant la fin. De Salomon passé à Akab comme roi avec Jézabel, waouh, il y a de la marge. Hein? Voilà le chemin qui nous attend. Voilà le chemin qui m'attend. Si je m'enorgueillis de ce que Dieu a fait de moi, voilà le chemin qui m'attend. Il n'y a pas très loin du Capitole à la roche tarpénienne. Il y a là, mes amis, un message pour nous en ces jours. Si par présomption, mon humilité s'est trouvée ébréchée, et surtout si j'ai été béni ou béni et promu par Dieu dans un service, un appel, attention à ces petits détails et qui ne sont pas rien et qui démontrent que peu à peu, je ne me prends pas pour n'importe qui. Attention à ces détails, ils ne sont pas rien. Et le diable ne va pas vous gonfler avec une pompe à l'orgueil en une fois, de manière à ce que ça se voit tellement. Il va y aller à petite dose. Tu es trop bien pour que Dieu te fasse un reproche. Pas grave, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu te comportes mal, mais bon, ben, c'est pas grave. Ça commence comme ça. On perd l'humilité tout doucement, comme ça. Et petit à petit, on endurcit son cœur et dans le même temps, on croit qu'on s'élève. Vous avez remarqué que les gens qui sont les plus toxiques sont ceux qui s'élèvent le plus. Il suffit de regarder passer. Vous avez des gens qui rentrent chez vous, ils vous disent ni bonjour quand ils arrivent, ni au revoir quand ils partent. Ils sont tellement importants. Oui. Grande va être la chute si vous ne vous repentez pas. Grande. Rappel pour tous, l'humilité, la bénignité, le respect d'autrui doivent demeurer en permanence. Se porter vers l'autre avec amour, respect, est un des signes que nous sommes nés de nouveau et que nous n'allons pas passer du Capitole à la roche tarpénienne. Vous voulez que je dise le nombre de chrétiens que j'ai croisés qui se comportent avec une arrogance inouïe, qui vous juge. N'attirons pas la correction de Dieu que d'ailleurs, par charité de cœur, nous n'accepterions pas vraiment. Ok ? 1 Roi 2, verset 9, Salomon avait détourné son cœur d'Éternel, donc il n'y a même pas eu de repentance. Je terminerai avec ce que j'ai initié, ce message. Il n'y a pas loin du Capitole, à la roche tarpéenne. Savez-vous qui peut vous conduire là? Celui qui connaît fort bien ce « là ». Ce « là », accent
ce « là », « là », sans accent, le deuxième « là ». Il s'appelle Satan. Alors vous êtes assez insensé pour ne pas comprendre que si vous ne persévérez pas jusqu'au bout, dans l'humilité, avec intelligence, vous ne sauverez pas votre âme. Vous allez la corrompre. En cause de tout ça, l'absence ou la perte de l'humilité. Attention à vos relations. Si vous fréquentez des gens toxiques parce qu'orgueilleux, ils peuvent... Vous savez, moi, il y a des chrétiens que Dieu me dit de ne pas fréquenter. De ne pas fréquenter. Je ne permets pas à ma femme d'aller faire des courses avec n'importe qui. Enfin, je ne veux pas lui défendre ou l'autoriser. Mais elle ne le fera pas. Parce qu'il y a des gens, c'est bizarre, hein. Même en faisant les courses, c'est quelque chose de gênant. Quelque chose de corrupteur. On ne définit même pas bien. Toxique. Si tu vis... parfois, il vaut mieux ne pas vivre trop longtemps avec... Alors, évidemment, si c'est ton mari, ta femme, là, c'est autre chose. Et parfois, dans une même famille, vous savez, il y a des gens toxiques, il faut leur dire, au moins. Il faut leur dire. Tu es toxique. Quelque chose qui ne va pas. Voilà, je termine avec ce message. Père éternel, nous te remercions. Je crois que j'ai été clair. Nous avons vu comment l'homme qui a peut-être été le plus rempli de sagesse, de gloire, de bénédiction spirituelle et matérielle est descendu tout au fond du trou parce qu'il s'est pris au sérieux, parce qu'il a loupé le fait de rester un père. Je te supplie au nom de Jésus que jamais je ne tombe dans ce piège. Je sais que tout homme peut tomber dans ce piège. Je te prie, je te supplie pour tout chrétien, tout serviteur de Dieu, qui porté par ce qu'il y a d'exceptionnel dans son appel, ce qu'il y a de très béni, oublie son devoir d'humilité et commence à exploiter la gloire de Dieu pour augmenter la popularité de sa personne. Oh, on ne le fera pas ouvertement, mais Seigneur, je te prie qu'après avoir écouté ce message, chacun puisse dire, Seigneur, moi, j'aimerais bien que tu me testes. Comme l'homme qui vient de parler, Raïm, dit qu'il a été testé, et il a abandonné ce qui semblait être un moment formidable, qui augurait d'un ministère ultra béni, avec, dans un pays riche, donc il y aurait beaucoup de moyens, il y aurait de tout. On aurait pu construire une grande église, pas tout ce qu'on veut. On n'aurait pas pu parcourir l'estrade pendant des années avec... Je n'ai rien contre les grandes églises. Hein. Si elles sont conduites par des gens humbles, tout va bien. Mais enfin, là, il y aurait tout un débat. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu... À travers le Covid, tu as voulu parler déjà. Tu as voulu parler. Et je pense que certains n'ont pas voulu entendre ce que tu leur as dit. Qu'ils puissent entendre maintenant. Dans le nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Amen.